80, c'est l'époque des boîtes à rythme. On pratique entre potes à la recherche de la rime. On sample souvent des chansons de James Brown. En France, le hip-hop est encore underground. Mais la tendance est lancée, on n'est pas prêt de s'enlacer. Y'a les Run DMC, leur Stan Smith s'enlacer. Y'a les chansons d'amour de LL Cool J. À l'époque, aucun rappeur ne parle de Gucci. Années 90, mais le rythme ralentit et le rap commence à résonner dans tous les amplis. Y'a le hip-hop de l'Est, mélancolique et plein de mélodies. Le flow et le texte, les rappeurs gentils et les bandits. Le hip-hop de l'Ouest, avec des ambiances plus chaleureuses. Des clips avec des belles voitures qui bougent et des filles heureuses. Lève les mains, bouge la tête, tout le monde est venu pour la fête. Les chaînes, les bagues et les dents en or, allez pas qu'on se la pète. Et entre 2000 et 2010, le rap a beaucoup changé. Nouvelle façon de causer, de poser. Un T devant le rap, la marque est déposée. Le temps décélère, flow moins binaire. MC vénère, ennemi imaginaire. 2-7, SE, 9-2, 9-3. Y'a pas que des lettres, il y a aussi des chiffres. Les flows sont ça, cadet et froid. Y'a ceux qui détestent, y'a aussi ceux qui kiffent. Venu du sud de la France, nouvelle tendance. Dans le sud, faut que ça burns. Certains reprennent des vieux tubes de dance. La FF, IAM ne sont plus les maîtres. Y'a le G et le S, on s'appelle par des lettres. Décontracté, on se promène en claquette. C'est comment t'as capté mon gâté, non t'inquiète. Tout le monde connaît, fait le signe avec les mains. Finalement, c'était pas si loin que ça demain.